pas chercher mon... Alors, bon, la crampe internationale, il n'a pas chargé mon appareil photo, donc je ne sais pas comment je vais faire aujourd'hui. On a un beau jour, c'est le dernier jour de Paris, et là je vais rejoindre Shirley. On n'a pas réussi vraiment à se comprendre, du coup je suis méga à la bourre, et elle est méga à la bourre. Mais on va y arriver. T'essayes de me manger j'étais la bouche. Juste là, là, j'attendais là, là. Ah, eh viens, je te présente mes nouveaux potes. Alors, je vous présente Léa. Et je vous présente mes nouveaux potes, mais je vous laisse expliquer votre business. Donc en fait, là, je suis avec ces trois jeunes hommes qui sont devenus mes potes d'aujourd'hui. Et en fait, c'est des casteurs qui cherchent des filles pour assister à des émissions de télé de filles. Ça se passe sur Paris et chaque fois que tu assistes à l'émission de télé, tu gagnes deux places de spectacle. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool que je suis devenue pote avec eux et que j'ai dit à Léa de venir. Et j'ai posté leurs coordonnées sur Instagram. Donc si jamais ça t'intéresse, que tu es sur Paris, que tu veux participer à une émission de télé, ça peut être vachement cool. Et du coup, il faut contacter ces trois-là qui sont gentils, qui ont des têtes de gentils. Regarde-moi ces cheveux magnifiques et ces couleurs. Magnifique de cheveux. Merci. Vous devriez faire venir Laetitia dans l'émission. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Mais t'inquiète pas. Alors, cette fille ici présente, elle va participer à une émission télé, elle sera dans le mardi. Et du coup, j'avais idée qu'on fasse un truc. Tu vois, la prochaine fois que je redescends à Paris, on va s'organiser pour qu'on fasse une émission de télé, donc on sera dans le public. Et donc, toutes les copines de Paris, vous pourrez venir. Et comme ça, on sera toutes ensemble dans une émission, ce sera trop drôle. On pourra faire des blagues, on pourra rigoler. Et on pourra faire le bordel et ce sera vraiment bien. C'est bien comme une vie quand même. On sera toutes ensemble. Donc voilà, vous me direz, j'organiserai un événement sur Facebook et puis on fera tout ça ensemble. Et là, il nous reste une heure pour faire des bisous. Oui, une heure pour s'aimer. Elle a essayé de me furer tout à l'heure, elle a essayé de me faire un bisou à la bouche. Non, mais voilà, la tête. Et après, voilà, et après c'est la fin des vacances. C'est... Paris-Dou, je vais te voler ta femme. C'est tu m'entends tellement. Je te vole ta femme, Paris-Dou. C'est passé tellement. Léa qui conduit à Paris, donc elle a essayé d'écraser une enfant. Elle a essayé de rentrer dans une moto et dans une voiture. Elle nous a fait un démarrage en côte. C'était plus un démarrage en côte, c'était un démarrage en montagne. Non mais je gère pas du tout cette voiture. Ah là là, je veux pas que tu parles. Bon, Farid, Léa et moi, on a décidé. On va faire une colo. Je te quitte. Voilà, je le dis devant YouTube. Devant YouTube. J'ai envie de dire la France entière, mais j'ai pas cette intention. Donc, Farid, tout est fini entre nous. Ciao. Tiens, vas-y, prends ma bague. Voilà. Je suis officiellement mariée avec Léa, pour le meilleur et pour le pire, de la culture et pour les délires. Voilà, voilà. Farid. Mais quoi qu'il en soit, bye bye. Ciao. Ciao. Je remets le bout du monde. On se casse. Je me tire. Me demande pas pourquoi je suis partie sans nana. J'avais envie d'être avec ma Léa. On voulait visiter des musées. C'est trop beau Paris. Regarde-moi ça. C'est trop beau Paris. C'est trop beau Paris, Farid. Je peux pas rentrer à Marseille. Mais même si je peux pas rentrer. J'habite même pas à Marseille. J'habite à Istres. Oui, mais à Istres, il y a des lacs. À Istres, il y a des lacs et il y a le lac Rose, ce qui n'est pas rien. D'accord. Je crois que pour le lacrosse, je serais même prête à quitter Léa. Mais je suis pas tout à fait sûre. Voilà. Alors tous les côtés. Léa, elle a peur à Paris. Léa, elle a peur. Nanana, nanana, nanana.
Laetitia, bon bah t'es partie chercher ta valise et je t'attends pour te ramener jusqu'à Nation. Voilà, je suis un peu triste que tu partes, j'aurais bien aimé te kidnapper un peu plus longtemps et t'avoir à Paris avec moi. Ben voilà, j'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble, t'es une vraie folle et ça fait plaisir de trouver quelqu'un qui partage les mêmes envies et de découvertes et de rencontres et tout ça, c'est chouette. Et j'ai adoré ces petits moments avec toi. Voilà, Luc, le papy culture, toutes les gens, personnes qu'on a rencontrées grâce à ton blog. Et puis toutes les visites, tout ça. Les soirées de folie. Non, je ne vais pas le dire ça. Bref. Ah, je vais te donner l'indice. Ça se déroulait là. Attends. Sur ce trottoir, n'est-ce pas? Bref. Et voilà, bah, désolée d'avoir été des fois en retard pour les rendez-vous et d'avoir grincé des dents toute la nuit quand on a dormi ensemble, ma pauvre. Et je te dis à bientôt. Rentre bien et Paris doux. T'as de la chance, franchement, t'as de la chance, hein. Bisous!